beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 6 septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé la carte la dispute. Ben écoutez, je trouve que depuis le début de semaine, c'est pas très folichon les tirages, l'instabilité, les discussions, et puis maintenant la dispute. Donc vous voyez, pardon, hier c'était les discussions, et puis aujourd'hui c'est la dispute. Peut-être qu'il y a des conflits hein, dans votre entourage, des querelles. Peut-être aussi qu'il existe un rapport de force, peut-être des confrontations. Cette carte, elle indique que pour certains d'entre vous, que vous risquez peut-être de vivre une journée conflictuelle dans une relation, et ça peut être avec votre partenaire, peut-être avec un voisin, peut-être avec un ami, peut-être avec un collègue de travail, n'est-ce pas ? Ou un membre de votre famille. Pour cette journée, des tensions sont à prévoir. Donc, attention. Il est question de querelle et de rapport de force. Alors maintenant, si vous redoutez les confrontations, rappelez-vous que c'est en mettant les choses à plat que vous parviendrez à progresser. Si vous êtes dans un problème, mettez les choses à plat, mettez ça sur la table. On vous demande d'être courageux pour mettre à plat les problèmes, n'est-ce pas ? Mais restez fidèle à vous-même. On vous demande de communiquer au lieu de se disputer. La communication, ça ne sert à rien de se disputer et de crier parce que vous n'obtiendrez rien dans la problématique que vous êtes aujourd'hui. Donc, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est vraiment prenez sur vous pour ne pas avoir un conflit avec votre conjoint, un collègue de travail, un membre de famille. Donc, voilà. Mettez de l'eau dans votre vin. Ça, c'est... Et puis quelquefois, vous savez, vaut mieux ne pas répondre que de se disputer et prendre le temps que tout ça se calme et parler par après. Voyez ce que je veux dire? Alors, selon le contexte que vous allez peut-être vivre aujourd'hui, cette carte peut aussi se référer à un conflit interne dans des moments de doute et d'hésitation. Peut-être que vous êtes dans une période de doute et peut-être que vous êtes dans une période d'hésitation et ça provoque peut-être là la dispute parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Voilà le message de ce mercredi. Je termine avec Ho'oponopono. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Mais voilà, quelle synchronicité, n'est-ce pas, avec la dispute ? Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions
sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables, n'est-ce pas, évidemment. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Tournez 7 fois votre langue, n'est-ce pas, avant de sortir peut-être des paroles que vous regretteriez par après, qui auraient dépassé votre pensée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.